Bonjour à tous, ici Raven de la Team Tekka. Après avoir parlé de Bloodborne et de Elden Ring, il était tout naturel que je m'attaque cette fois-ci à celui qui les a inspirés. Et qui de mieux pour représenter la Dark Fantasy de Dark Souls que le plus célèbre de ses chevaliers, Artorias. Sir Artorias, de son surnom le Marcheur des Abysses, était l'un des quatre chevaliers du Seigneur Gwyn. Mais qui est Gwyn? Oh, juste le responsable de tout le bazar dans l'univers de Dark Souls, et le créateur de la marque sombre permettant aux humains de revenir à la vie. Pour résumer grossièrement, imaginez un monde gouverné par des créatures presque immortelles que l'on nomme titans ou dragons. Parmi ces titans existait Chronos, qui voulait asseoir sa domination sur le monde, un monde en dehors du temps, uni, terne, et sans vie, l'âge des anciens. Un jour, la première flamme apparut, et d'elle jaillit la diversité, la chaleur et le froid, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, créant ainsi une fissure dans l'uniformité de l'âge des anciens, et donc l'écoulement du temps. Des créatures finirent par trouver cette flamme et récupérèrent les âmes des seigneurs, leur accordant différents pouvoirs divins. Ainsi, les nouveaux dieux déclarèrent la guerre aux dragons, et Zeus, accompagné des trois autres seigneurs, renversa l'âge des anciens et instaura l'âge du feu. Malheureusement, comme Hestia n'existe pas dans cet univers, la première flamme se meurt, laissant petit à petit l'âge du feu s'éteindre pour celui de l'âge des ténèbres, celui des hommes. Évidemment, Zeus, gorgé de son orgueil, ne pouvait laisser une race inférieure comme les humains récupérer ce qu'il avait mis tant de temps à bâtir. Il condamna donc l'humanité à entretenir le feu éternellement en leur apposant la marque sombre. Cette marque détruirait petit à petit l'âme et le corps du condamné à chacune de ses morts jusqu'au jour où un noble mort-vivant viendrait se lier au feu afin de repousser cette malédiction. Vous l'aurez donc compris, Dark Souls s'inspire clairement de la mythologie grecque avec les Olympiens, prenant le pouvoir aux titans et Zeus craignant l'humanité. Maintenant que vous savez qui est Gwyn, à savoir l'équivalent de Zeus, donc un être orgueilleux terrifié par la perte de son pouvoir, intéressons-nous à l'un de ses chevaliers, le seigneur Artorias. On ne sait pas vraiment qui il est précisément, mais la légende raconte son périple en Lordran. Sir Artorias était un homme honorable et très habile. Ce preux chevalier était connu pour avoir chassé les spectres sombres et traversé les abysses grâce à son anneau, l'empêchant d'être dévoré par ces dernières. Nul ne sait ce qu'il s'est passé au fond du gouffre, mais il en était revenu, héritant de son surnom de Marcheur des Abysses. Il s'exila plus tard dans le jardin de Noirsouche, où il se lia d'amitié avec la faune locale. Alvina, la chatte blanche dotée de paroles née à l'aube de l'âge du feu, et Sif, le grand Dogogri. À sa mort, ces derniers dédièrent leur existence à garder et protéger sa tombe. Cependant, lors de notre arrivée à Noirsouche, Alvina nous met en garde à propos des légendes contées sur Artorias, stipulant qu'il ne s'agit que de contes de fées pour endormir les enfants. But cometh thee not for the grave of Sir Artorias? My advice true. Forget this. The legend of Artorias art none but a fabrication. Traversing the dark, 'tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Ces légendes racontent que lorsque Olacil fut menacé par les abysses de Manus, Artorias et Sif arrivèrent là-bas pour tenter de sauver la cité, ainsi que la princesse de Brunante qui avait été enlevée. Le dernier dragon, Calamite, leur donnait des bâtons dans les roues, mais rien n'arrêtait le noble chevalier Artorias. Fort de son courage et de sa bravoure, il s'engouffra dans les abysses pour sauver sa belle. Ceux n'ayant jamais joué à Dark Souls penseront qu'il ne s'agit que d'un énième conte médiéval fantastique où le pro-chevalier part libérer une princesse d'un dragon terrifiant ou d'un sorcier démoniaque et qu'il finira par les terrasser puis sauver la demoiselle où il vivra une longue et heureuse vie avec cette dernière sous les acclamations du peuple. Sauf que nous sommes dans Dark Souls, et si vous connaissez Berserk, alors l'histoire d'Artorias ne vous surprendra aucunement. En effet, en se retrouvant face à Manus, Artorias et Sif furent dépassés. Les forces obscures, trop grandissantes et corrompues, finirent par avoir raison d'Artorias. Ce dernier, dans un ultime élan de bravoure, se sacrifia pour protéger Sif en utilisant son bouclier béni, érigeant une barrière autour du jeune loup. Avalé par
par les ténèbres, il perdit de plus en plus la raison, mais jamais son but, remontant à la surface, cherchant désespérément de l'aide pour arrêter Manus. Et c'est face au joueur qu'il tombera, engageant un combat incroyable, où Artorias, au plus faible de sa forme, testera et jugera si le joueur est apte à vaincre Manus. Durant tout le combat, Artorias n'aura de cesse de lutter contre les abysses qui le corrompent, criant d'agonie à mesure que le pouvoir des abysses l'envahit, devenant plus rapide, plus puissant, alors qu'il se bat avec un bras estropié dont les abysses coulent de ses plaies béantes. Ses derniers mots seront pour ses compagnons, mais surtout pour Sif, qu'il aurait aimé sauver. Il demandera au joueur d'en finir avec Manus, et le remerciera de l'avoir fait mourir en tant que chevalier, et non en tant que serviteur des abysses. Avant que le joueur ne retourne dans sa ligne temporelle, Ciaran lui demandera de lui remettre son âme afin qu'elle puisse lui faire une sépulture décente. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Au cours des siècles, Ciaran, Alvina et Sif transmettront la légende d'Artorias, celui qui avait sauvé Olacil des abysses, effaçant toute trace du joueur au profit d'Artorias. Toutefois, comme le temps est une notion malléable et complexe dans Dark Souls, il est possible qu'il existe plusieurs lignes temporelles où les joueurs ont vaincu Artorias, ou d'autres où Artorias a vaincu Manus sans l'aide des joueurs. Après tout, Dark Souls 3 nous montre que lorsque le feu se meurt, la convergence temporelle se fait de plus en plus importante. Toujours est-il que l'héritage d'Artorias perdurera durant des siècles. À l'époque de Lothric, le dernier seigneur des cendres, la légion des morts-vivants de Faron, communément appelée les gardiens des abysses, ont pris du sang de loup. Il est également dit que leurs âmes se sont alors liées ensemble, ne faisant qu'un avec l'âme du maître du sang de loup, à savoir Artorias. Utilisant un style de combat féroce et sauvage, ainsi que des épées inspirées de la sienne, la légion mena une véritable guerre avec les ténèbres des abysses que leur maître avait combattu il y a des siècles. Artorias est donc un personnage tragique, s'inspirant de la beauté des récits de Dark Fantasy, où le héros ne sera pas toujours celui qui aura la fin la plus heureuse. Toutefois, le destin n'étant pas immuable, chacun peut choisir sa fin, et Artorias décidera de la consacrer à la survie de Sif, son fidèle compagnon, ainsi qu'à ses principes, quitte à sacrifier son honneur si cela peut sauver ceux qu'il aime. Dans sa mort, Artorias marquera les esprits à travers le temps, que ce soit dans son univers ou celui du joueur, trouvant par là l'honneur dans le sacrifice, cette petite étincelle qu'il a su raviver malgré les ténèbres qui l'ont rongé. J'espère que cet épisode d'analyse de personnages vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.